Et pour moi, être à la mode, c'est pas forcément suivre ce qui se fait, mais c'est ou garder un style malgré la fashion, ou anticiper sur ce qui se fera et avoir un petit peu une longueur d'avance. J'achète plutôt dans le Marais, que j'aime bien, que c'est un quartier qui est ouvert aussi très souvent le dimanche. J'aime bien aussi fabriquer ma mode à moi et pas être un stéréotype de mode. Voilà. Ben moi j'habite le Marais depuis un an parce qu'effectivement on peut à la fois retrouver tout ce qu'on souhaite au niveau de la mode, tout type de mode, moderne ou un petit peu ancienne. Et en même temps c'est un quartier très agréable pour également tout ce qui est la restauration, la modernité. Alors pour la mode, c'est quelque chose d'à la fois futile et qui au fond n'est pas tant que ça, parce que bon, ça permet d'exprimer un petit peu qui l'on est. Personnellement, moi je suis à la recherche de choses très simples, des lignes assez épurées. Donc là, je suis un peu mal à l'aise dans tout ce que je vois autour de moi ici dans le Marais. La mode actuelle, c'est beaucoup de fanfreluche et j'ai un petit peu de mal à m'y retrouver. Voilà. La mode, pour moi, c'est une manière d'exprimer plus ou moins quand même ce que l'on est. C'est-à-dire qu'on a une mode sportive, sophistiquée, négligée. Et quand on regarde quelqu'un, la mode qu'il a adoptée peut donner une impression de ce qu'il est. Je pense que dans notre monde actuel, il y a une espèce d'uniformité que je déplore. La plupart des jeunes gens, notamment, sont habillés comme avec une espèce d'uniforme qui est plus ou moins le jean un peu négligé. Et eux qui luttent contre l'uniformité, l'uniforme de l'armée, par exemple, ils font exactement la même chose. Et il me semble que quand j'étais jeune, il y avait beaucoup plus de variété. On avait aussi clairement la notion de la classe sociale à laquelle on appartenait, que l'on n'a plus maintenant. Ça, c'est peut-être le bon côté des choses. C'est que ça a plus ou moins supprimé la notion visuelle des classes sociales. La mode, c'est un peu tout ce qu'on trouve autour de nous. C'est un petit peu de vintage. C'est un peu donc de ce qu'on trouve dans les brocantes, ce qu'on trouve dans les armoires des grands-mères, de maman aussi. On prend un peu de bijoux, on prend un peu des accessoires plutôt. Et puis aussi un peu H&M, un peu de trucs fashion. Mais voilà. Donc, pour moi, la mode, je pense que c'est la question de confort, donc les vêtements qui sont confortables, surtout des couleurs neutres, donc tout ce qui est beige, gris, tout ce qui est bleu nuit. Après, la tendance, surtout à Paris, la tendance parisienne. Donc, ça peut être, je sais pas, certaines maisons comme Zara, comme Mango, H&M aussi, on y trouve des belles choses. Et puis, voilà, garder un style personnel, voilà, original. Alors, en ce moment, en France, pour Romain, la mode est aux couleurs foncées, hivernales, toujours gris, noir, et cette année, beaucoup de violet. On fait beaucoup de violet pour Rome, beaucoup de jeans, beaucoup de chemises, de la maille, mais le costume revient un peu à la mode. Parce que les gens maintenant veulent un peu s'habiller
pour travailler. Donc, il y a un petit retour au costume sportswear, sympathique. Et puis, toujours, pour un homme, c'est la mode, elle est dans le continu. Nous, on ne fait pas Galliano, on ne fait pas excentrique. Donc, elle reste quand même toujours un petit peu classique, parce que même la clientèle du Marais, qui est une clientèle branchée, ont quand même un côté un peu classique. Mais en principe, ça marche très bien.